Rebonjour à ceux d'entre vous qui ont choisi le lapis lazuli. Oui, il est beaucoup moins brut. J'en ai une pierre brute, mais elle est un peu terne. Et j'ai trouvé intéressant de faire un contrepoint en cristaux par le côté poli là, de ce lapis lazuli. Puis regardez ici, on dirait qu'il y a une constellation. Et puis il y a cette tranche là, c'est très intéressant d'observer les strates du lapis lazuli ainsi. De voir les lignes de formation de la pierre. Pierre d'équilibre et d'apaisement. Elle apporte confiance en soi, elle nourrit l'intuition, elle nourrit la créativité. C'est un symbole de sagesse, de protection. J'aime beaucoup le lapis lazuli. C'est une pierre qui libère des angoisses. Elle éteint aussi la colère, parce qu'elle nourrit le courage. Et que le courage en question est mobilisé en faveur de la vérité. Il y a une quête de vérité dans le lapis lazuli, il y a une quête d'absolu. Et c'est ce qui éteint les angoisses et la colère, c'est ce sentiment que meilleur est possible. Que écouter son intuition, que laisser parler sa créativité, eh bien permettra de progresser, permettra d'aller là où on désire. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fragment. Je sais que les cristaux, j'ai beau faire, ils ne sont pas toujours appréciables à leur juste valeur. Alors, évolution inattendue, oui. Évolution inattendue, sans doute, dans votre réflexion. Dans votre réalité, ce qui amène un changement dans votre réflexion. On a la dame de la foudre ici. Mais auparavant, on a le prince de l'arc-en-ciel et le jardin de Gaïa. Ici, il y a une récompense. Ici, vous avez une récompense. Vous avez été persévérant. Vous êtes efforcé de faire progresser une situation, de faire progresser un projet, de faire progresser quelque chose. Et vous avez la récompense. Ici, en étant la première carte d'oracle, ça dit clairement, la récompense est là. La récompense est là pour votre persévérance, pour vos intentions clairement canalisées en faveur d'un objectif. Et là, vous avez une récompense qui vient. Et c'est pour ça qu'ensuite, on a le jardin de Gaïa. Parce que vous allez être ravis dans cette récompense. Vous allez adorer cela. Le prince de l'arc-en-ciel, c'est une carte qui vous garantit une récompense pour vos efforts. Ce n'est pas une carte de fin de chemin, si je puis dire, d'accomplissement. Comment formuler ça? Ici, on a une carte de progression, on a une carte qui vous dit continuez ainsi. D'ailleurs, voilà, il y a une récompense pour votre persévérance qui est déjà là, mais vous n'avez pas atteint vos objectifs finaux. Et ce qui est intéressant, c'est que le jardin de Gaïa est une carte qui souligne que, quels que soient vos objectifs, vous êtes dans un univers qui a tant à vous offrir que chaque instant devrait être une fête, devrait être une joie. On a une carte qui vous dit que tout ce dont vous avez rêvé est déjà là. La dame de la foudre, c'est un changement soudain de réflexion, c'est un changement soudain de paradigme. Ici, on a quelqu'un qui fait des efforts dans une direction et qui, tout d'un coup, a une récompense. Vous savez, c'est à force de faire les choses en direction de vos objectifs, à un moment donné, vous voyez que ça porte ses fruits. Vous voyez les premiers bourgeons, vous voyez les premières pousses. C'est une récompense. Et là, vous prenez conscience à quel point vous êtes béni d'avoir cette vie, d'avoir ce que vous êtes en train de construire. Et il semblerait que c'est ce qui change votre regard, ça va changer votre regard sur les choses. C'est-à-dire que vous allez réaliser que tout est à sa place, que tout est juste. Et j'ai dans l'idée que la révélation que vos efforts
Le fait que vos efforts commencent à payer, ça va être cette espèce de révélation dont vous avez besoin pour vous dire « je dois continuer ». Parce que c'est ainsi que mes efforts paieront. Là, il y a une espèce d'eureka. Eureka, j'ai compris. J'ai compris que en coordonnant mes efforts en direction de mes objectifs, cette récompense, elle vient de me dire que je suis sur la bonne voie, que je dois encore persévérer. Il y a eureka. Eureka, c'est je suis là où je dois être, les choses sont telles qu'elles doivent être, et j'en suis très heureux. Il y a une notion de gratitude ici, sur cette récompense. Comme si votre disposition d'esprit, au départ c'était j'essaye, et on verra bien. Et là il y a une récompense qui vous fait dire, mais c'est exactement ce qu'il me faut. Et là, ça modifie profondément toute chose, parce que vous réévaluez toute chose en fonction de ce sentiment que c'est ce qu'il vous faut. C'est une dynamique que je trouve très, 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 très intéressante. Le roi de bâton. Chevalier d'épée, au dos, chevalier de pentacle, neuf d'épée, impératrice. Vous avez ici ce que j'ai développé d'entrée de jeu, c'est-à-dire que quelqu'un qui est déterminé à produire un changement durable, quelqu'un qui est déterminé à surmonter toutes ses peurs, toutes ses angoisses, et qui a décidé c'est dans cette direction que je veux voir les choses se développer pour moi, que c'est dans cette direction que je veux aller. L'impératrice, chevalier d'épée, votre créativité fait le reste. C'est pour ça qu'il y a d'ores et déjà des récompenses qui sont là. Oui, alors là, les cartes de tarot viennent confirmer le fait que les récompenses sont là. 7 de bâton, 10 de pentacle, roi de pentacle, 4 de bâton. On est passé du chevalier de pentacle. Je décide que je mets en œuvre quelque chose, je me concentre dessus. Créativité, réussite. Le chevalier a grimpé les échelons, il est devenu le roi. C'est-à-dire que ses projets de départ ont connu le succès. 17. 9 et 3, 12. C'est une évolution que vous n'attendiez plus. C'est une récompense que vous n'attendiez plus. C'est jour après jour, vous faisiez votre séance de sport. Et tout d'un coup, là, vous réalisez qu'il y a un passage à un niveau supérieur. Vous réalisez que vous êtes prêt, par exemple, pour faire une course, pour faire une compétition ou autre. Et pourtant, c'était devenu fastidieux, hein, tous les jours. Ça, c'est mon heure de sport. Et oui, ça y est, vous avez le niveau. Ça y est, vous êtes au palier supérieur. Vos efforts payent. Ça va vous permettre de changer profondément. 4 de bâton à nouveau au dos. Ça va vous permettre d'appréhender les choses de manière différente. Quelle que soit la victoire ici que vous remportez, quelle que soit la récompense que vous touchez, ça va vous permettre d'agir en faveur de ce que vous avez toujours voulu. Là, je trouve très intéressant que la roue soit entre l'as d'épée et le jugement. Parce que c'est votre décision qui va décider de ce que vous voulez faire de vos résultats, finalement. C'est comme vos résultats payent, vous êtes passé au niveau suivant. Qui dit niveau suivant dit nouvelle perspective.
vous avez peut-être réalisé que, bah, que l'un dans l'autre, oui, il y avait des jours où vous vous disiez, oh, mon heure de sport, j'ai pas envie de la faire. Mais vous êtes tellement galvanisé par les résultats que vous vous dites, mais ce serait bien d'en faire un peu plus. Ou ce serait bien de réorganiser les choses. Puisque une heure du sport paye, est-ce que je peux les... trouver un moyen de conserver cette heure de sport, mais de manière différente, de changer mon emploi du temps, de changer certaines habitudes pour que ce soit plus cohérent avec mon quotidien. Et, ici, il y a une récompense qui donne envie d'aller plus loin, qui redonne un élan que vous étiez peut-être en train de perdre à un moment donné. C'est tellement inattendu de recevoir ça que... Ah, mais tiens. Et je me disais hier que ça commençait à devenir douloureux parce que j'avais pas ça, voyez. Et maintenant que vous l'avez, vous vous dites que ça va devenir plus facile. Ça y est, j'ai le niveau. Ça va devenir plus facile grâce à cette récompense. Quelle que soit la forme qu'elle a, elle vous permet de passer au niveau suivant. Et donc de revoir complètement la situation aussi. Justice, les rêves. C'est quelque chose que vous méritez. C'est un changement que vous méritez. Et, mais là, je vais réitérer ce que j'ai dit. La récompense génère une forme d'eureka. C'est eureka. Je fais ce que je dois faire. Je suis sur mon chemin de vie. C'est une récompense qui vient vous dire vous vous êtes aligné. Et de prendre conscience de cela... Ça vous donne conscience de votre pouvoir sur la suite, sur votre pouvoir sur votre monde, puisque tout est à portée de main. Mais je peux faire tout ce que je désire. Et c'est là que vous vous dites, très bien, étape suivante. Il y a un rebond ici, il y a un très très bon rebond. Allez, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.